L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vendredi 10 février 2023, cinquième semaine du temps ordinaire, année A. Les lectures sont lues par Marie-Pascale Johnson, le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commentées par le père Constant Sagbo du diocèse d'Atakpamé. Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 3, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De champs de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc 7, 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna
de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient: Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ephphatha, ouvre-toi. Que cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ résonne encore aujourd'hui dans nos oreilles. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons entretenu des discussions avec Satan, avec le serpent, par nos comportements, par nos relations. Et voilà, il nous a détournés de ce que le Seigneur nous a ordonné. Nous nous sommes laissés tromper par les apparences, par la beauté éphémère, par nos désirs. Et voici, nous avons péché. Nous nous cachons au regard du Seigneur. Mais Dieu ne nous laisse pas. Il est à notre recherche pour nous récupérer et pour nous pardonner. Que ton cœur s'ouvre à l'écoute de la parole de Dieu. Que tes oreilles s'ouvrent et que ta langue se délie pour confesser tes péchés et chanter la merveille de Dieu. Oui, heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense. Le Seigneur ne retient pas notre offense. Le Seigneur enlève nos fautes en ce moment. Ne te cache point, comme nos premiers parents l'ont fait. Viens vers Jésus. Viens vers lui. Il est là au milieu de nous. Il veut nous pardonner. Il veut enlever nos fautes. Il veut nous purifier. Il veut nous récupérer. Ephphatha. Ouvre-toi à la miséricorde divine. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24, en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.